fond des arbres. Par contre, je parle, je parle, j'écris, je fais des films, je fais du théâtre, je fais du théâtre. Vagabond. Vagabond, c'est-à-dire aller de là à l'autre. Sans se prendre la tête, sans se prendre trop au sérieux. Avec un peu plus de légèreté, comme les vagabonds. Date ta première réalisation. Ah, 88. Mon premier film, à Paris, avec Mouna Ndiaye. J'étais au théâtre, j'écrivais beaucoup. Donc tout ça, ça faisait partie du cheminement. Tout ce qui est écriture, j'adore l'écriture. C'est ça aussi ma force, c'est l'écriture. Parce que justement, j'aime la lecture. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est toutes ces lectures, toutes ces écritures, ces rencontres. J'ai joué un livre ici en 82 au théâtre. On a joué au théâtre Daniel Sorano. Oui, on a joué au Centre culturel français, et puis on a beaucoup tourné, c'était la compagnie du théâtre en spirale. Mais qu'est-ce que tu étais acteur? Acteur. Donc tu y rentres dans le cinéma par le théâtre? Oui, par la porte du théâtre. Ça m'a beaucoup aidé le théâtre. Et ça m'a... Je pense que tous les cinéastes devraient faire du théâtre. Parce que l'apprentissage du théâtre est un apprentissage extrêmement pointu, valeureux et vaillant. C'est un art vaillant. Beaucoup de choses au cinéma, c'est de comprendre la fragilité des instants. Comment un instant, même si c'est une seconde, ça peut être une seconde magique. Un seul regard, un seul mouvement de tête et donner un peu d'intensité et de vigueur à une chose qui à la limite serait par exemple comme si je caresse mon chat, ça peut être aussi très beau que la manière dont je filme ça. Donc pour moi tout ça se lit et le théâtre pour moi est capital. D'abord aussi pour la notion de l'espace, oui. la mise en scène, la scène, la possession de la scène. Le cinéma m'a toujours impressionné. C'est quand tu vois mon film, Tout ça pour une ligne, tu vois le petit garçon qui jouait j'ai vu des films, j'en avais des centaines à moi-même, tout seul, petit à nous. J'ai raconté des histoires de maisons chinoises et j'étais doué pour ça, parce que les autres venaient regarder mes films. Et les aventures, les bandes dessinées. J'ai raffolé ça. J'ai changé ça. Donc au lycée, j'en avais. Donc, je lisais ça à l'ombre du jour. Et c'était pour moi une autre manière de faire des choses. Parce que la bande dessinée a été presque comme un précurseur pour moi de mon travail de cinéaste. Tout en démocratisant l'art. Ça tue la substance, ça frelatait la substance. C'est-à-dire que maintenant c'est devenu tellement facile de filmer. Juste tu filmes. Avant, l'acte de filmer était presque un acte suicidaire. C'était un acte de mise en abîme. C'était un acte révolutionnaire dans la tête. Parce qu'on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est quelque chose de très important. Chaque bobine coupe, je ne sais pas combien. La caméra pour une fortune. Il te faut deux personnes à la caméra. Toi-même, parfois. Il te faut la lumière, il te faut du son, il te faut des bobines de son. Il te faut. Et chaque acte, chaque fois que tu disais moteur, tu avais dans la tête, j'ai une bobine de 16 mm, de 122 mètres, c'est-à-dire de 10 minutes. J'ai une bobine de 10 minutes. Une bobine de 10 minutes, il me faut un ratio. Je ne peux pas faire une 5-5.
les cinq fois les cinq. Financièrement, c'est impossible. Parce que la mobilité, je vous le rappelle même plus, ça coûte très cher. Une mobilité de 16 000, ça coûte hyper cher pour mon budget. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On millimètre la scène. La scène qu'on contourne, elle est basse. On y a réfléchi 10 fois, 1000 fois, 5000 fois. On l'a vu, on l'a dessiné, on l'a répété, on l'a tourné dans tous les sens. Est-ce que pour toi ça veut dire que les nouvelles générations sont, est-ce qu'on peut dire ça, des touristes dans le cinéma? Oui, beaucoup de tourisme. Beaucoup de tourisme. Beaucoup de tourisme. C'est un regard de touriste. Le regard de voyeur même. Parce qu'ils ne donnent pas de la valeur à la chose. Ils n'ont pas assez réfléchi à la chose. La chose est devenue à la limite à la limite triviale. Hein? On filme parce qu'on filme. Voilà, on a une caméra, on a une carte SD qui fait 50 gigas, 64 gigas. Ah, tu peux tourner ça. 64 gigas, ça ne se termine pas. Mais moi, j'ai gardé cette discipline. Je ne tourne pas pour tourner. Quand je tourne, je sais que ça tourne. Et je sais que c'est. Je ne tourne pas comme ça. Et puis après, ah, on va essayer comme ça. Après, ah, on va essayer comme ça. Ah, après, on va essayer comme ça. Ah, après, c'est comme tu vas. Si tu sais ce que tu veux, c'est qu'il y a une et une seule bonne place pour la caméra. Il n'y en a pas deux. Alors, il faut les gens voir comme ça. Il y a une seule. Si tu n'as pas ce regard de ta caméra sur ce que tu filmes, tu ne fais pas du cinéma. Tu fais de la télé. J'aime bien Godard, quand tu disais cette phrase aujourd'hui, mais il y a le visible et l'invisible. Quand tu filmes l'invisible, quand tu filmes le visible, tu fais de la télé. Tu fais un téléfilm. Quand tu filmes l'invisible, là tu fais du cinéma. Filme l'invisible, c'est-à-dire les émotions qui ne sont pas, qui ne sont pas obvious. C'est pas évident. Tu arrives à rentrer dans des cages qui sont complètement des cages fermées, où le personnage est complètement déconstruit, qui ne marche pas de la même façon, il ne fait pas les choses normalement comme tout le monde le faisait. Tu sors un peu de l'ordinaire. Est-ce que pour toi c'est ça la fonction du cinéma? Ah oui, c'est ça la fonction. La fonction du cinéma, c'est pas de montrer les choses ordinaires, c'est d'apporter de la poésie avec la vie quotidienne et du drame avec les problèmes. Les problèmes qui ont fait les drames. Posez le regard. Donnez le temps au sens de pénétrer l'image, de sentir l'image. C'est ça le cinéma. De faire partie de plusieurs laboratoires. Wagafum là, Redbex là, au Kenya. J'ai enseigné 3 années à la Lambade, à Cuba. Je veux faire la même chose ici. Bon, c'est pas
c'est pas aussi simple que ça, mais même si je n'arrive pas à le faire de manière institutionnelle, si j'arrive à le faire à travers ça, il y a beaucoup de choses sur moi dans le net, hein, où je parle de cinéma, où je parle de récit beaucoup. Donc moi, c'est ça le cinéma. Le cinéma est une question de récit. Si tu n'as pas de récit, le problème de la vie des jeunes aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de récit. Le cinéma, c'est une question de proposition. C'est qu'est-ce qu'on apporte de plus à la vie? Comment si tu arrives à apporter dans ce récit-là quelque chose qui t'est propre? Ça peut être quelque chose qui a trait à la musique, ça peut être quelque chose qui a trait au visuel. Comment les personnages, comment ils sont habillés? Est-ce qu'ils sont réels ou ils ne sont pas réels? J'aime bien quand les personnages ne sont pas réels du tout. J'adore ce film. Parce que c'est il te raconte une histoire d'aujourd'hui, mais avec un tel univers, tu dis, mais c'est un conte. C'est un conte d'aujourd'hui. Les gens sont complètement. Les fonctions sont tordues. On n'est pas dans la linéarité du récit. On n'est pas dans le. J'aime pas ça. Ça, c'est très occidental. Comment, justement, notre culture, nos cultures, la pluralité de nos cultures, comment tu intègres ça dans tes films et pour toi, quelle valeur ça a? C'est fondamental pour moi. Pour moi, mon film doit ressembler. Je ne commence jamais par les livres. Je commence toujours par la fin. C'est la façon de raconter l'histoire. Nous sommes des êtres très affinés. Les Africains se dotent au niveau du langage et de l'imaginaire, c'est très raffiné. Ce n'est pas brutal. On n'annonce pas les choses de manière brutale. On amène les gens, on prépare les gens à la nouvelle. Pour que la nouvelle ait un impact qu'on a voulu. Que ça ne soit pas traumatisant ou excessif. Nous, on raconte des histoires, on commence par la fin, on commence par le milieu, on commence par la queue, après on vient à la tête. Non. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ça permet de promener l'audience, et c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus élégant et c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus intéressant. Comment il y a un mec qui a mis en rouge, il a le rouge à lèvres, perruque, il fait ce soir, complètement maquillage, dénudation. Il arrive, complètement, mais tu vois, c'est un homme. Il rentre dans une chambre, il y a une femme qui a un pistolet. Il dit qu'il attend des coups de feu, bam, bam, bam. Et puis il sort, il est mort. Après, ça va. Je suis à Kouba. Là où j'habite, tous les étudiants. La même chose à la barbare. Je fais 3 heures. Tous les gosses qui n'étaient même pas à la faculté, qui voulaient faire du cinéma, qui n'ont pas les moyens d'aller à la banque, qui n'ont pas les problèmes, ils étaient tout le temps avec moi. Il y a chez les anglophones, ils sont désinhibés par rapport à l'apprentissage. Les francophones, ils sont très académiciens. Pour eux, c'est à l'université. Si tu n'es pas parti à l'université, tu n'as pas appris. Alors que chez les anglophones, tu vas apprendre sur le temps et être meilleur. C'est que les anglophones, ils vont dire tout.
Ils savent où ils vont. Ils ne font pas de chichi. Ils y vont direct, mais ils y vont avec de la manière. Alors que le francophone, il prépare tellement, il te prépare tellement à y aller que tu t'en fatigues même avant d'y aller. On ne va pas vivre ailleurs, au Sénégal. Même quand j'étais à Paris, j'ai sûr d'une chose, c'est que je rentre vers la maison. Je suis là pour faire le cinéma, après je rentre à la maison. Ça, c'est une décision. Je ne peux pas vivre ailleurs qu'au Sénégal. Je peux vivre, je peux, pour des raisons professionnelles, aller aux États-Unis, enseigner un peu, aller à Cuba, rester 3 ans pour des raisons à la limite politico-financières, je dirais. Parce que je ne pouvais pas travailler ici, à un moment donné, j'étais blacklisté, tous mes projets étaient jetés. J'ai un peu gueulé. Comment je gueule, hein? Parce que l'art est rebelle. Pour moi, l'art est rebelle. L'art ne peut pas être conformiste. L'art ne peut pas être. C'est redondant. Là, tu fais les mêmes choses dans la France, la même chose, le même malheur, le même truc qui ne bouge pas dans le monde. C'est dans l'art. Mais tu ne crées pas quelque chose qui résiste autant. Et qui peut donner à réfléchir aux autres. Parce que c'est aussi ça, là. C'est à réfléchir. Pourquoi tous les jeunes veulent faire des malades? Parce qu'ils disent que c'est ça qui donne de l'argent. Mais c'est pourquoi on n'a plus de Tahoran, on n'a plus de Tessa, on n'a plus de Laval, on n'a plus cette forme musicale, ça n'existe plus. Ils sont morts, parce que tu es pas de malade. La musique dans tes œuvres a une place importante. Toujours la musique avant. Ah. Ça, c'est ça qui fait ma personnalité de cinéaste, c'est que je fais des comédies musicales sans en faire. Et que la musique est la base de mes récits. À la limite, même mes films commencent par la musique. C'est un son, c'est une mélodie qui vient dans ma tête, qui tourne dans ma tête pendant longtemps. C'est toujours une mélodie que j'enrichis avec des mots. C'est un travail organique. Je parle de plein de choses. Je prends tout. J'écris tout. Je prends des choses et puis là ce matin je suis en train d'écrire des choses. Donc, et je ne peux pas ne pas écrire. Mais. Quand je raconte mes films sont des pièces musicales. J'ai grandi à Tambo Ferraille, à Yarak. Et je ne me souviens pas quand est-ce que je suis nagé. Je crois que je suis né et je suis nagé. Parce qu'on était tout le temps sur la plage. Parce que la plage était la plus belle plage du Sénégal. Les sables blancs et fins, le poisson, tu marchais jusqu'ici et tu voyais le poisson, vous avez des poissons comme ça qui tournent. C'était un grand monde de rêve. Et puis, ça, la pollution, la surpopulation, le développement de la ville de Dakar qui s'est déversé un peu sur Tambo Ferraille et machin, on est devenu une périphérie surpopulée. Donc, la mer a été commandée pour voir. Et un jour, j'allais souvent avec une copine. On allait à Moura, les week-ends. Et un jour, Thank you.
Je ne peux pas quitter ici. Je suis arrivé par hasard et je suis tombé amoureux. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a un endroit au monde où je me sens le plus à l'aise, c'est pour vous. Je me sens le plus inspiré, c'est pour vous. J'ai tout écrit à propos de vous. Tout. À part mon premier film, là, mon court-métrage, tout le reste, je l'ai écrit. Là, je viens de les énergiser, il y a mon nouveau film. La dernière partie de ma trilogie sur les dessins de marque, c'est la Propera et Madame Rouet. Ça va être présenté en première mondiale dans notre festival, bien sûr. Après, une volée en Californie. Mourir.